Soul on the beat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est pour motiver et pour encourager tous ceux qui me suivent, c'est-à-dire qui suivent mes activités et qui veulent passer vraiment au niveau supérieur. Ok, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. La première, c'est plusieurs fois par mail, les gens m'ont demandé, Paul Favor, comment toujours avoir l'inspiration? Comment tu fais pour avoir toujours de l'inspiration? Voilà, ensuite la deuxième question c'est comment rester motivé ou bien comment faire pour passer au niveau supérieur quand on n'a pratiquement pas de matériel de qualité, c'est-à-dire par exemple un piano ou une guitare. Comment faire pour avoir des arrangements vraiment de qualité quand on n'a pas de matériel? Ce sont des deux questions qui m'ont été posées durant cette semaine et je prends quelques minutes aujourd'hui pour répondre à ces questions-là. Ok, donc pour en venir à la première question, comment toujours avoir de l'inspiration? Sincèrement les gars, pour moi il n'y a que deux techniques qui marchent. Voilà, donc la première technique est la suivante. Il faut écouter un maximum d'instrumental dans ton style musical. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pourtant, plus tu vas écouter, plus tu vas avoir de l'inspiration. Moi généralement, avant de m'asseoir pour composer, j'avais déjà fait des vidéos où je vous expliquais un peu ça, mais je vais prendre au moins 15 minutes pour penser au truc que je vais faire. Donc grossièrement, il faut écouter plein de musique, faut pas être limité, faut écouter tout ce que les gens font dans d'autres studios, faut écouter, faut vraiment avoir un esprit vraiment ouvert pour pouvoir avoir une inspiration qui ne va jamais finir. C'est en fait ça qui fait que tu vois, il y a des beatmakers ou des artistes, ils vont envoyer des sons ou des beats, ça sera toujours des tubes parce qu'ils ont beaucoup écouté le travail des autres, parce qu'ils ont beaucoup mis en pratique certaines techniques et stratégies. Donc c'est là où j'arrive donc à la deuxième technique qui me permet de pouvoir toujours avoir l'inspiration. La deuxième technique est la suivante. Faut toujours avoir des stratégies de travail. Ça, je dis tout le temps et beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Mais si tu n'as pas de stratégie de travail, automatiquement, tu ne pourras pas exceller dans ce que tu fais, quoi. Donc, grossièrement, faut avoir des stratégies. C'est pour ça que dans mes programmes accélérés que je propose, j'ai toujours des stratégies de travail. Que ce soit dans les compositions de mélodies, j'ai des stratégies de travail. Que ce soit dans les batteries ou percussions, j'ai des stratégies à mettre en place pour pouvoir avoir un résultat souhaité ou un résultat qui dépasse même parfois les attentes. Donc grossièrement, c'est de ça qu'il s'agit. Première chose, pour avoir l'inspiration, écoutez beaucoup. Deuxième chose, appliquez des stratégies et techniques que vous avez apprises dans des formations ou dans des tutoriels. Voilà, donc et grossièrement dans mes tutoriels, je partage beaucoup mes secrets. Donc grossièrement avec mes tutoriels, tu peux avoir plein d'informations. Voilà, donc mais ceux qui suivent mes programmes accélérés savent que c'est en fait ça, ma réelle force. Faut avoir des stratégies de travail. Voilà, ensuite la deuxième question c'est comment passer au niveau supérieur lorsqu'on n'a pas de matériel de professionnel selon certains. De cette question, j'ai pu comprendre pourquoi il y a beaucoup qui ont des croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est pour dire qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas arriver à des résultats professionnels parce qu'ils n'ont pas de matériel professionnel. Et tout ça, moi je les appelle des croyances limitantes parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de matériel professionnel qu'on ne peut pas faire des sons de qualité. Aujourd'hui, avec son logiciel FL Studio, c'est-à-dire avec ton PC, pratiquement, tu as tout ce qu'il te faut pour démarrer. Tu as tous les instruments en ce qui concerne les guitares, tu peux les avoir. Tu as tous les instruments en ce qui concerne les différentes caisses, tu peux les avoir. Donc grossièrement, pour moi, tout est déjà là. C'est à toi de savoir comment l'utiliser en mettant encore une fois de plus en pratique des stratégies et techniques que tu auras appris. Donc grossièrement, voilà la réponse à cette question. Pour ceux qui sont limités, sincèrement les gars, passez à l'action, ne vous laissez pas emballer par ces différentes difficultés que vous traversez, sincèrement. Voilà, donc je vais par exemple prendre le cas du programme coupé décalé. Il y a beaucoup qui m'ont contacté, ils m'ont dit « Mais Paul Favor, je ne pourrais pas faire des guitares parce que je n'ai pas de guitare. Je ne pourrais pas faire composer des mélodies parce que je n'ai pas de piano MIDI. » Sincèrement les gars, qui t'a dit qu'on va utiliser un piano MIDI? Qui t'a dit qu'il faut automatiquement un piano MIDI pour faire une mélodie sur son PC? Personne ne l'a dit. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, toujours les gens ont des croyances limitantes comme ça. Pourtant, dans mes tutoriels, je fais tout le temps des mélodies directement dans mon piano roll. Arrêtez de vous limiter l'esprit, les gars. Il y a tellement de choses à faire grâce à FL Studio. La cause de votre retard, c'est vous-même. Faut passer massivement à l'action, partie de ce qu'on appelle des moyens de bord. Donc, grossièrement, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, donc, et pour terminer,
on va faire une pré-écoute de deux ou trois instrus qui m'ont été envoyés. Donc ensemble, on va écouter. Puis je vais donner un peu mon point de vue. Je vais dire un peu ce qu'il faut améliorer. Donc clairement, on y va. Ok. Pourquoi tu oublies comme ça là? Bon, frère, déjà, il y a un problème au niveau de la synchro, en fait, parce que là, sincèrement, j'aime bien l'esprit. Et tout ce que je peux dire, en gros, c'est que c'est, en fait, c'est un coup un peu amateur, tu vois. Donc, il y a un problème au niveau de la synchro. Il y a un deuxième problème au niveau de la configuration des mélodies que tu utilises. Donc, tu as un très bon esprit de travail, tu as de l'inspiration, je sens ça, mais maintenant il faut que tu travailles ta synchro, il faut que tu travailles tes mélodies. Donc revois tes plugins, revois tes différentes configurations que tu fais sur tes différents VST, quoi. Ok, mais sinon, c'est bon, j'aime ton travail. C'est bon, champion. J'aime ta façon de travailler. Sincèrement, là, ça donne l'esprit du beat. Il est assez grand, tu vois. Je sens ça, je sens l'esprit, je sens la chose venir en force en toi. Donc, maintenant, il faut que tu travailles la sonorité et également la synchro. Donc, il y a des légers retards dans l'écoute. Je sais pas si tu remarques ça, mais sinon, grossièrement, le travail, déjà, c'est déjà ça. Travaille encore tes VST, choisis les bons instruments. Regarde mon tutoriel que j'ai fait sur le choix des instruments. Donc, essaye encore de bien te focaliser et travaille ces stratégies-là que j'ai données dans le tutoriel. Donc, sinon, en gros, ton travail, c'est bon. J'aime l'esprit. Bosse encore dur pour passer au niveau supérieur. On va écouter le troisième. Encore une fois de plus, l'esprit magique. J'aime l'esprit de travail, j'aime ta façon de faire la chose. La guitare, très bonne guitare, bon choix de l'instrument. Seul problème au niveau de la configuration. Mais sinon, l'esprit, c'est déjà bon. Maintenant, il faut que tu travailles encore. Tu vois un peu, on sent la chose, mais c'est pas pro en fait. Tu vois un peu. Voilà. Donc là, c'est moi-même. J'ai essayé de refaire le beat d'Ariel Chenet. J'ai dit qu'elle fait une bombe manquée, toi tu peux te plaindre. Paul on the beat. Tu vois, donc là, sincèrement, tu vois un peu la différence. Donc, c'est en fait de ça qu'il s'agit, quoi. Faut travailler tes caisses, faut travailler ta puissance que tu amènes dans ton instru, quoi. Maintenant, on va faire une dernière écoute. Super. Super la flûte, je kiffe. Sincèrement, c'est du bon travail, mon gars. Donc, concernant, c'est tout ce que j'avais à dire là. Celui qui a fait cette flûte-ci, il s'appelle Jojo Chris. C'est un gars qui a suivi le programme Coupé Décalé. Voilà, un autre témoignage encore. Donc, une flûte de ouf, vraiment. Sincèrement, c'est tout ce que j'avais à dire. Tous ceux qui veulent intégrer le programme Coupé Décalé pour passer au niveau supérieur, vous avez le lien juste dans la description. Intégrez le programme.
Je vais même bientôt lancer une promotion pour aider tous ceux qui ont des difficultés, c'est-à-dire tous ceux qui n'arrivent pas à réunir les différentes conditions pour accéder au programme Coupé Décalé. Je vais faire des promotions pour aider un maximum de personnes à intégrer ce programme. Sincèrement, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.